on a toujours cherché à répondre à cette question parmi la foule de questions que pose encore, naturellement, le chantier des pyramides, pas seulement celle de Khéops. C'est la durée du règne, en coïncidence avec la durée du chantier de construction. On peut penser que s'il se sentait plein de santé, qu'il était jeune, il pouvait envisager une grande pyramide et un chantier de 20 ou 30 ans. S'il arrivait sur le trône à 93, il se faisait faire une petite pyramide de 50 cm, parce qu'il n'était pas très sûr de pouvoir être mis dedans avant qu'elle soit finie. Alors, ce problème du délai, c'était un angoissant problème pour le souverain. D'où le problème de Snefrou, que nous avons évoqué, qui récupère la pyramide de Honis, son prédécesseur, en disant « je me sens pas bien ». Et peut-être que c'est plus prudent de récupérer la pyramide inachevée, de la terminer, pour avoir un tombeau. Alors c'est le raisonnement, un tombeau absolument assuré qui ne dure pas trop longtemps. Et comme il s'est vu qu'il pétait de santé, il a entrepris évidemment d'autres chantiers. Il avait bien raison, bien entendu. Alors, la durée du chantier, elle est, heureusement pour Khéops, elle est connue. Elle est connue parce que, lorsque ce sinistre colonel Weiss donc, est rentré dans les grandes pyramides, a percé le puits qui a permis d'explorer toutes les chambres de décharge, dans l'inscription des deux dernières chambres, il y a les inscriptions avec le nom de Khéops, et la formule en 17 du règne de Khoufou. Alors, à 65 mètres de hauteur, on en était dans la 17e année du chantier, parce qu'il est bien évident que le chantier de la pyramide commençait dès l'accession au trône du souverain. C'est complètement évident, c'était absolument systématique. Alors, 15e année, 65 mètres, elle montait à un peu plus de 140 mètres, elle fait 135 aujourd'hui, 147 autrefois, donc il faut compter, en venant à la louche, entre 20 et 25 ans au total, si vous voulez. Ce qui est pas mal, qui est assez rapide, qui plus est quand on songe évidemment aux dizaines de milliers d'ouvriers qui devaient travailler. Et là, alors surgit le problème, puisque des dizaines de milliers d'ouvriers travaillaient au moins 10 000 en permanence pendant la période des crues, lorsque les paysans ne peuvent pas travailler dans les champs, le roi levait ce qu'on appelle les corvées. Donc on le sait, on a des inscriptions qui donnent les noms de ces corvées, et on sait même que le travail n'était pas toujours très agréable, puisque le roi Snefrou, justement, dans la ville des pyramides, de sa pyramide rouge, qui était construite au pied même de la pyramide dans la vallée, on construit un village pour les ouvriers, où ils étaient logés, nourris, habillés. Il n'y avait pas de salaire, ça n'existait pas en Égypte. Donc il fallait entretenir des milliers et des milliers de personnes en bonne santé, parce qu'il faut être solide, évidemment, pour trimballer des charges considérables. Et le roi remerciait donc ces gens. Et le roi Snefrou a laissé une inscription qu'on a retrouvée, où, en hommage et remerciement aux ouvriers de la ville de la pyramide du roi Snefrou, il les dispense désormais de lever de corvée. Ce qui veut dire, ça s'appelait lever une corvée. Ce qui veut dire que c'était quand même assez pénible, évidemment. On a beau dire qu'il n'y avait pas d'esclaves en Égypte, c'est vrai, mais le souverain étant un dieu sur terre, il était tout puissant. Alors, l'obéissance absolue de la population rurale, qui était l'immense majorité de la population égyptienne, évidemment 95% de la population, fait qu'ils étaient terriblement dociles et soumis, et que lorsqu'on levait une corvée de milliers de personnes, personne n'osait refuser, évidemment, d'être levé, de participer. Alors, vous allez comprendre que c'était un honneur, naturellement, si bien qu'on donnait au nom des équipes, de ces filets, on leur donnait des noms glorieux. L'équipe du roi, l'équipe de la pyramide du roi, etc., l'équipe glorieuse, etc. Et on a les noms d'un certain nombre de ces équipes. Mais il n'en reste pas moins que ces gens étaient épuisés et que le fait qu'un roi remercie les habitants de la ville de la pyramide de Snefrou et que désormais il les dispense de corvée montre que quand même le roi était conscient effectivement de la lourdeur de cette tâche qui mobilisait un nombre considérable de personnes. C'est tellement vrai que l'évolution de la société égyptienne fait que à partir de la fin du Moyen Empire, on cesse les levées de corvée, elles n'existent plus et désormais on va créer des postes permanents d'ouvriers au service des nécropoles royales. Et à ce moment-là, on va voir apparaître effectivement ce qu'on appelle la ville des ouvriers sur la rive gauche de Louxor, face à Louxor, où résidaient en permanence des milliers d'ouvriers qui travaillaient, c'était leur métier, ils étaient employés à cela, ils travaillaient dans la nécropole. Donc voilà quelle était la situation à la fois du rapport entre le calendrier, la durée du chantier et le nombre d'ouvriers nécessairement utilisés, mobilisés, au moins pendant la période des crues, sur les grands chantiers des nécropoles royales. On trouve depuis un certain nombre d'années, je crois que c'est un certain Pochan, je crois, qui a commencé, le fait que la Grande Pyramide, contrairement à ce que croient toujours les égyptologues, n'a pas 4 faces mais 8 faces. Autrement dit, ce sont des dièdres. Chaque face, en réalité, est rentrante. C'est un angle obtus. Et dans l'arête médiane, on est en profondeur par rapport au parement extérieur. Et on montre pour ça une prodigieuse photographie aérienne faite par un pilote de la RAF pendant la guerre, où on voit que sur l'une des faces, il y a la moitié d'un parement qui est à l'ombre et l'autre qui est au soleil. Alors, ces gens-là n'ont jamais vu de près la Grande Pyramide. Il y a, moi j'ai fait de la topographie, évidemment j'ai travaillé avec des théodolites, y compris sur les pyramides. Je vous garantis qu'il n'y a pas de problème, c'est bien rectiligne. Vous en doutiez peut-être, mais non, n'ayez pas d'inquiétude. Cela dit, je vais vous expliquer l'une des explications possibles néanmoins, technique. En réalité, c'est une photo bidonnée, bien évidemment. Il suffit pour un simple visiteur de se rendre latéralement avec une lumière rasante, avec une bonne incidence. Vous prenez le repère de quelques bonnes assises bien conservées et vous verrez que c'est parfaitement rectiligne. Il n'est pas question d'avoir une rupture d'angle au milieu. Par contre, si l'on regarde avec attention les 4 faces, ce qu'avait déjà remarqué certains peintres et dessinateurs qui avaient accompagné l'expédition de Bonaparte, notamment le célèbre Conté. Conté est l'inventeur du crayon, un personnage donc très apprécié des dessinateurs et des architectes. Conté, qui était donc peintre et dessinateur, fait un certain nombre de dessins aquarellés de la Grande Pyramide. Et il remarque que sur chaque face, il y a une médiatrice. En fait, c'est un rayon d'isocèle, donc c'est médiatrice, c'est aussi la hauteur, hein, la médiane, qui a une ligne un peu plus sombre au milieu. Alors, il y a une explication technique qui est double. Si on parle des rampes, on sait que ces rampes arrivaient généralement perpendiculairement aux faces des pyramides. Généralement, il n'y avait pas qu'une seule rampe, parce que c'était plus rapide de commencer par les 4 côtés. Ça semble tout à fait logique. Donc, il y avait normalement 4 rampes, une sur chaque côté. Et elles s'appuyaient généralement au milieu de chacune des faces. On en a une bonne preuve, justement, à Meidoum, où on voit encore parfaitement la direction de la rampe, sur laquelle on a fait la rampe processionnelle exactement au même endroit, et puis l'appui de la rampe dans le parement, qui se lie très bien. Alors, l'appui de cette rampe qui va monter avec les élévations laisse des traces. Laisse des traces parce que le parement ne sera pas aussi soigné, enfin, c'est pas le parement lui-même, c'est la couche avant de recevoir le parement. Ça ne sera pas aussi soigné qu'à l'endroit. Et puis aussi, il y a une autre raison. Il faut qu'en permanence, les appareilleurs aient un repère de symétrie rigoureux pour mettre en place les pierres d'angle. Évidemment, il faut que la pente à l'angle soit une arête parfaitement rectiligne. Il faut donc que chaque fois qu'on monte une assise de pierre, on prenne des mesures, on a un petit jalon repère par exemple, et on prend la même mesure à droite et à gauche. Bon. Ça a l'air banal, mais ça doit être fait très attentivement et chaque fois qu'on monte d'une assise. Alors, ce repère vertical, il laisse aussi des traces dans le bâti, parce qu'il y avait peut-être des repères matérialisés plus solidement qu'un simple petit piquet, je ne sais pas quoi, une gravure dans une pierre spéciale, etc. Ce qui explique effectivement cette petite ligne très subtile qu'on voit dans l'axe de chacune des faces. Et puis aussi le fait qu'il y ait ces 4 chantiers, il y avait donc la distribution des matériaux sur 4 faces différentes et il y avait des secteurs attribués correspondaient à chacune de ces rampes. Donc il y a fait une distribution symétrique et homogène puisqu'il fallait monter exactement avec la même rapidité sur les quatre faces, naturellement. Ça encore, ça fait partie de ces grandes interrogations et des admirations, naturellement, c'est la programmation du chantier. On dit toujours, mais il fallait nourrir, loger, habiller ses habitants. Alors, on commence à avoir beaucoup d'informations parce qu'on a trouvé les cimetières des ouvriers de Gizeh, déjà, ce qui est tout de même une assez bonne chose. On a trouvé le secteur où il y avait les fours à pain pour nourrir ses ouvriers, le secteur de la boucherie pour nourrir les ouvriers, les restes des maisons des contremaîtres, les tombeaux de la plupart des contremaîtres. On a les mentions de la ville des ouvriers, etc. Donc, on a beaucoup d'informations. Mais il reste aussi ces autres interrogations, évidemment, qui subsistent sur la façon d'organiser, de commander ces ouvriers, les équipes, pour que le travail soit conduit d'une manière très régulière, en même temps sur les quatre faces. Ça aussi, ça fait partie du formidable travail pensé en amont par l'architecte. Parce que n'oublions pas qu'au départ de tout cela, il y a un homme, bon, il y a le souverain lui-même, le roi qui commande son tombeau, et puis il y a l'homme qui dirige le chantier. Alors c'est peut-être un certain Émiounou, on a des suppositions que Émiounou, qui était directeur des travaux du roi Khéops, c'était peut-être celui qui a conçu la grande pyramide, sans aucune certitude, parce qu'on n'a pas de mention précise de ses travaux. Mais enfin, il y avait un homme qui avait conçu l'édifice et qui devait coordonner toutes les équipes du chantier. Ça aussi, ça fait partie des grandes questions pour lesquelles on n'a pas de réponse très précise. Le bruit court depuis longtemps que les pyramides, en réalité, ne sont pas des tombeaux. Que l'égyptologie a inventé le mythe du tombeau et que c'était dans l'ordre dans quel ordre d'abord pas de monument dans les pyramides, donc pas des tombeaux. Il vaut mieux commencer par l'absence de monument. Non, mais c'est comme vous voulez. Ouais, mais bon. Donc le bruit court que les pyramides ne sont pas des tombeaux, qu'elles avaient une autre fonction. Alors le problème, c'est que on ne nous dit pas laquelle. Est-ce que c'était des hangars à dirigeables? Ah ben non, parce que c'est plein dedans. Et pourtant, on pourrait mettre des grands dirigeables dans les pyramides. Est-ce que c'était des supermarchés? Même chose. Sur le plan immobilier, c'est pas rentable, hein. Il y a un bonhomme dans une couchette, dans un monument de plus de 140 mètres de hauteur. C'est ridicule. Donc, c'est pas un immeuble. Il n'y a pas de doute, c'est pas un immeuble. Alors, pour un bonhomme, vous dites, ben oui, bon, là, il faut croire que le tombeau, c'est la vanité pour l'éternité, hein. Il n'y a pas que les rois d'Égypte, en Amérique précolombienne aussi, les souverains aimaient bien avoir un signal qui reste là, et ils ont gagné d'ailleurs, parce que ces fameux signaux sont toujours là. Les empereurs de Chine avaient aussi des structures mégalithiques pour rappeler à l'humanité que pendant des siècles, ils étaient eux-mêmes toujours les maîtres du pays. Donc c'est la valeur de signal. Le tombeau est colossal parce qu'il doit franchir les générations. Il est bâti pour l'éternité. Le premier qui a eu cette ambition en Égypte, c'est le roi Djéser, qui demande à son architecte Imhotep, premier architecte dont on est le nom dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas mal. Il veut régner pour l'éternité sur la ville de Memphis. Et il demande à son architecte Imhotep de lui bâtir un tombeau qui soit le signal de la présence pendant l'éternité du roi Djéser sur l'Égypte. Et il a réussi, puisqu'il a bâti cette fameuse pyramide à 2 grès, entourée par cette gigantesque enceinte qui enferme le simulacre de la capitale, le simulacre de Memphis, et le roi est toujours là. Donc, il est dans cette pyramide. Enfin, il n'y est plus parce qu'il a disparu à un moment donné, mais son signal est toujours présent. Donc, c'est parfaitement logique. On répond très facilement à cette objection du tombeau, il n'y a pas d'autre fonction possible. Alors, l'objection qui arrive immédiatement, une objection à caractère infantile, mais on n'a jamais trouvé de momie dans les pyramides. Ah ben oui, mais il y a eu dans l'histoire antique de l'Égypte ce qu'on appelle les périodes intermédiaires. On sait que dès l'Antiquité, il y avait des voleurs qui opéraient dans les nécropoles. Pas seulement dans les tombes royales, mais aussi dans les tombes de notables. Il y avait des gardes qui surveillaient les nécropoles. Et on sait que la disparition des momies est à mettre en coïncidence avec des opérations de pillage, pas forcément antiques, parce que il est possible que le voleur de l'Antiquité ait respecté le corps du roi. C'est ce qui s'est produit en Égypte, puisque lorsqu'on a découvert le pillage des tombes de la vallée des rois, le clergé de Louxor, le clergé thébain, a recueilli les momies qui avaient été laissées dans les caveaux et dans les sarcophages par les pillards, les a retirées de leur tombe et les a regroupées dans une autre tombe, dans un autre caveau creusé à une très grande profondeur au pied de la montagne thébaine. Donc, les voleurs n'emportaient pas les momies. Les momies ont disparu manifestement plus tard, lorsque le rituel égyptien, la religion égyptienne, la langue égyptienne avaient complètement disparu. À ce moment-là, d'autres générations de pillards sont pénétrées dans les pyramides. Vous imaginez, pendant des siècles et des siècles, les pyramides étaient offertes à qui voulait y pénétrer. C'était pas forcément facile, mais on y parvenait. La preuve, c'est que pendant les trois périodes intermédiaires de l'histoire antique de l'Égypte, il y a eu déjà des pillages de tombes royales. On a des textes de procès de pillards qui avaient pillé les tombes royales. Donc, ça existait effectivement et à l'époque égyptienne et durant le Haut Moyen-Âge et à partir de l'occupation arabe. On a plusieurs témoignages de chroniqueurs arabes qui parlent des tentatives et des réussites des Mamelouks notamment, qui pénètrent dans la Grande Pyramide, qui découvrent un grand coffre, ils découvrent le sarcophage de Khéops d'ailleurs, dans laquelle se tenait un personnage avec un certain nombre d'objets qui l'accompagnaient, que tout cela est sorti, emmené au Caire et exposé publiquement. Donc, on sait que ces momies ont été dérobées plus tardivement et que toutes les pyramides, sans exception, hélas, ont été visitées à plusieurs reprises, qui plus est. Donc il est évident qu'on ne pouvait strictement rien retrouver à l'époque moderne lorsque ces tombeaux étaient ouverts à tout vent depuis des générations et des générations. Mais la présence des cuves, du sarcophage, évidemment avec le nom du roi inscrit, est évidemment un témoignage suffisant. Ajoutons à cela qu'à partir de la 5e dynastie, le caveau funéraire renferme les textes des pyramides, les plus anciens textes complets de l'histoire de l'humanité, et qu'on y a le nom du roi, qu'on précise bien que le roi repose et dort dans ce caveau et qu'il va rejoindre le monde des dieux. Donc, nier l'existence des pyramides en tant que tombeau, c'est évidemment une dérision absolue. C'est un témoignage d'ignorance et de bêtise, grosses comme les pyramides. Alors, l'interprétation tout à fait erronée, fantaisiste, fantastique, d'une réalité archéologique, c'est effectivement un lieu commun, et les pyramides d'Égypte sont là pour ça, j'ai envie de dire. Elles servent admirablement la cause de ceux qui ignorent tout, qui vendent du mystère. Et puis, il y en a qui renforcent encore l'idée en introduisant des faux objets. Alors, il y a différentes catégories de faux objets. Il y a eu, au début du siècle, un orfèvre russe très habile, qui travaillait le métal, les feuilles d'or repoussées notamment, qui a vendu, c'était à but lucratif, hein. Il a vendu sur le marché des antiquités la tiare d'un roi scythe qui s'appelait, selon lui, Saïta Fernès. Il avait façonné, à partir de motifs scythes authentiques, il avait décoré une tiare, une espèce de chapeau qui ressemble à un pain de sucre, mais qui est creux, qui est un objet absolument admirable et qui a été acheté par le Louvre. Alors, le conservateur du Louvre à l'époque m'avait proposé de me photographier avec la tiare sur la tête, ça me gênait de me montrer quand même, mais je regrette finalement. Donc, jusqu'à ce que le joaillier finisse par se dénoncer lui-même, parce qu'on a fini par remarquer que les visages des personnages correspondaient à la mode de l'époque, à la mode de sculpture de l'époque. Donc on a dit, mais non, cette tiare ne peut pas remonter à l'époque scythe, au 6e siècle, au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est forcément des visages contemporains, on ne traitait pas les visages de cette manière dans l'Antiquité, et on a retrouvé le joaillier qui effectivement a reconnu. Comme il était diaboliquement habile, évidemment, il y a une certaine indulgence, parce qu'il avait réussi à tromper les conservateurs du Louvre. Alors ça, c'est la tromperie à but lucratif. On vend un très bel objet extrêmement cher comme étant authentique. J'allais dire, c'est comme faire un faux tableau. Là, j'ai des faux tableaux. Quand, dans ma jeunesse, j'ai été copiste pour gagner du fric. Quand on fait ses études d'architecture, on travaille en agence ou on fait autre chose. On fait des travaux en rapport avec les compétences personnelles. Et comme je savais dessiner et peindre, j'étais peintre copiste. Donc, je prenais des commandes, j'exécutais. J'ai fait pas mal de Dufy, de Gauguin, etc. que je vendais en dessous de la côte, malheureusement. Bon, alors, simplement, pour éviter le faux, on fait, quand on fait une copie, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, on modifie les dimensions. On le fait plus petit ou plus grand, généralement plus petit que l'original. Si une ou deux fois, j'ai fait des tableaux, j'en ai un d'ailleurs dans notre salon ici, qui est aux dimensions de l'original. Bon, voilà ce que c'est. Donc ça aussi, c'est la copie, c'est le faux à but lucratif. Hein. On fait un objet, on le vend cher pour gagner sa croûte. Et puis, il y a le faux qui est destiné à tromper l'opinion publique et à ridiculiser les archéologues. Là, c'est évidemment plus dangereux parce que ça touche toutes les époques. Et il y a eu en Angleterre un faux qui s'appelait le faux de Piltdown, qui était un faux crâne, qui était censé être le chaînon manquant, le maillon manquant entre le véritable homme préhistorique et l'homo sapiens. C'était un mélange de crâne, de calotte crânienne médiévale et de mâchoire d'orang-outan. Donc, il avait assemblé les deux très habilement, c'était très bien fait, il avait un vieillissement qui donnait la même teinte aux deux. Et finalement, la supériorité était découverte par une charge différente en fluor dans l'une des deux parties. Donc, on l'a démasqué, mais le crâne de Piltdown a quand même été publié. Il a fait partie des manuels de préhistoire. Et là, c'était pas du tout à but lucratif. C'était pour tromper les préhistoriens avec l'intention un jour de les dénoncer, de les faire apparaître comme ridicules et incompétents en disant « Vous voyez, j'ai fabriqué un faux crâne préhistorique, ils l'ont publié comme étant authentique. » Ça, c'est le plus dangereux, ça. C'est le type qui est vraiment vindicatif, vicieux, qui veut tromper le public et ensuite apparaître en gloire en disant « Vous voyez bien que le monde scientifique est ignorant et qu'il vous trompe. » Donc ça pèse très très lourd, ça pèse extrêmement lourd. Et puis il y a ceux qui fabriquent des faux et qui espèrent les faire durer le plus longtemps possible. On a trouvé en Amérique du Nord, des sites présumés vikings. On a trouvé en Amérique latine, notamment au Brésil, des inscriptions phéniciennes. Chaque fois, on a fini par trouver, on a démontré évidemment que c'était des faux sans grande difficulté, bien entendu, mais c'était des faux qui étaient fabriqués, encore une fois, par des gens compétents. Par des gens compétents, qui avaient une idée fixe. L'Amérique a été découverte par les Phéniciens, c'est un vieux poncif, ou par les Égyptiens, bien entendu. Ça fait partie de ces poncifs des archéomanes, qui ne sont pas des archéomanes ignorants, mais au contraire des archéomanes compétents, qui savent fabriquer un objet pour le rendre crédible, mais qui le mettent dans une mauvaise situation pour tromper complètement et bouleverser l'histoire de l'humanité. C'est tout aussi dangereux, bien évidemment, parce que brusquement, tout bascule. On s'aperçoit que les habitants du continent sud-américain, en réalité, ne viennent pas de l'Extrême-Orient, passant par Béring au moment de la dernière glaciation, où l'on pouvait traverser effectivement Béring à pied sec, arriver en Amérique du Nord, puis descendre vers les régions plus tempérées, puis plus tropicales. Non, pas du tout. C'est en fait le vieux monde, nous autres, qui avons colonisé l'Amérique dès l'époque préhistorique la plus haute. Donc là, il y a une double intention, tromper le monde scientifique, montrer qu'il est incapable de découvrir la vérité, et puis il y a toujours un sous-entendu qui est plus ou moins raciste, il faut que la civilisation, la pensée supérieure vienne de l'Occident, de préférence du monde européen ou méditerranéen. Donc il y a plein de directions évidemment extrêmement troublantes dans l'usage du faux en archéologie. Il y a le faux à profit, mercantile, et puis le faux idéologique pour tromper le public, le monde scientifique, le ridiculiser. Ce sont évidemment des gens extrêmement dangereux, bien entendu. Et ça continuera, il ne faut pas s'imaginer que ça va disparaître. On voit surgir périodiquement dans des régions extrêmement éloignées de leur lieu d'origine, comme l'Australie par exemple, effectivement, des inscriptions qui viennent du monde méditerranéen, des inscriptions hiéroglyphiques par exemple, qui viennent du monde méditerranéen. C'est naturellement une utopie totale. Donc, c'est facile de démontrer que c'est une utopie, mais le public, lui, il ne croit pas au démenti. Il trouve plus extraordinaire une découverte fantastique qui dérange. Ce verbe « déranger » est vraiment utilisé comme un poids lourd dans toutes les publications des archéomades. Nous avons fait des découvertes, nous faisons des révélations qui dérangent. C'est exactement comme la vérité est ailleurs. Ce sont des formules que l'on trouve revenir très régulièrement parce qu'il faut nuire au monde scientifique. Alors il y a une espèce de jalousie permanente de ceux qui ne savent pas, qui veulent faire croire qu'ils détiennent un secret. C'est en fait c'est aussi la théorie du complot, si vous voulez. Il va y avoir un colloque à la rentrée au mois de novembre sur la théorie du complot auquel je devrais participer. Alors, il y a Francis Mazière qui n'est pas le premier à l'avoir fait d'ailleurs. C'est une vieille idée de prendre une map monde n'importe comment, une règle, et puis repérer un certain nombre d'endroits chouettes. Alors, il y a Gizeh avec la pyramide de Khéops. Où est-ce qu'on peut aller depuis Gizeh? On peut peut-être aller à Phnom Penh, encore, on va aller encore. Et puis on peut aller à Teotihuacan. Alors on tire une ligne et puis on s'arrange pour déplacer Teotihuacan, d'abord pour que ce soit sur la ligne. On dit, voyez, ces trois villes sont alignées. Alors on ne dit pas pourquoi. Alors on dit, mais alors, bon d'accord, sont alignées, et alors? Ben, ça veut dire qu'elles étaient en relation. Alors on s'interroge. Elles sont alignées, donc on le sait. Pourquoi sont-elles en relation? Parce qu'elles sont alignées. On peut tracer 500 lignes sur une map monde qui vont passer par un nombre de points formidables. Est-ce qu'il faut dire que tous ces points étaient en relation entre eux dans l'histoire? Elle dit, mais ils étaient en relation immédiate et permanente. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Ça vient d'en haut, ça vient de l'extérieur. C'est de l'espace qu'on a programmé ces itinéraires. Alors, j'avoue qu'on est désarmé parce que c'est comme si vous me demandiez de parler de la raison pour laquelle certains inventent des pyramides en pierre moulée. Moi, j'ai envie de vous dire, les troubles mentaux, je sais que ça existe, mais je suis incapable de les analyser. J'en constate l'existence, mais je ne peux pas vous dire comment ça se produit et comment on les soigne. Ben là, c'est la même chose. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on trouve trois sites merveilleusement occupés à différentes époques d'ailleurs, parce qu'ils ont été, ils sont alignés, parce qu'ils sont en relation au même moment. Comment peut-on le prouver? Ben, on ne le prouve pas, simplement on tire une ligne droite. Alors, j'allais dire on tourne en rond sur une ligne droite, c'est un peu ça, parce qu'il n'y a pas de conclusion. On peut absolument rien en tirer. Alors cette histoire de l'univers penché, de l'horizon penché, c'est une formule complètement gratuite qui n'a strictement aucune consistance parce qu'on ne tient jamais compte des différences chronologiques. Lorsque dans le film de la révélation des pyramides, celle qu'on attend toujours, on met en parallèle justement, il tire des lignes naturellement à travers la planète, et il ne tient strictement aucun compte des chronologies. Les distances n'existent pas, parce que pour les civilisations supérieures, la distance n'existe pas, surtout si elles viennent de l'espace. Mais surtout qu'il y ait des milliers d'années qui les séparent, pof, ça n'a aucune importance. En fait, l'archéologie se trompe. Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a des milliers d'années qui les séparent? En réalité, tout cela est à placer 10 000 ans avant notre ère. Donc, on rassemble, on fait une espèce de panier de crabes, là, dans lequel tous les 10 000 ans, hop, pendant 10 000 ans, il y a tous ces points qui seront réunis par une même culture, une même civilisation. Non, on n'a rien à dire. Il n'y a pas de dialogue. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de dialogue possible. Devant l'absurdité, on dit, mais mon pauvre monsieur, vous fumez quoi en ce moment? Rassurez-vous, bientôt le cannabis va être en vente libre. Profitez-en. Pas de relation entre l'île de Pâques et Gizeh. Bravo, vous avez trouvé la bonne conclusion. Si ce n'est que, si, il y en a une, c'est que l'Homo sapiens est le même partout sur la planète depuis manifestement au moins 100 000 ans. Encore que les Néandertaliens survivent quelque temps, mais on s'en débarrasse avec élégance, peut-être par fusion d'ailleurs. Et en tout cas, depuis 50-60 000 ans, Homo sapiens est tout seul. Ça veut dire que au moment où la civilisation égyptienne et la civilisation mésopotamienne, qui vont naître à peu près en même temps, hein, ne chipitons pas sur les quelques semaines qui les séparent, ça se passe dans le courant du 4e millénaire, entre 3500 et 3000, et tout de suite après arrive l'art des bâtisseurs, aussi bien en Mésopotamie qu'en Égypte. C'est la construction des ziggourats, la construction des villes, la construction des pyramides, la construction des villes en Égypte. Mais à ce moment-là, vers 2800 avant notre ère, toute la Terre est peuplée, y compris l'Australie. C'est-à-dire que l'homo sapiens est partout, que cet homo sapiens y rencontre partout des problèmes identiques. Le problème de l'approvisionnement en eau, le problème du transport des marchandises, le problème de l'agriculture, de l'élevage des animaux, de l'abri, construire une maison, comment se protéger contre la pluie. Et il se trouve que cet homo sapiens qui a exactement le même cerveau chez les Inuits et chez les aborigènes d'Australie, lorsqu'il rencontre le même problème, 9 fois sur 10, il trouve la même solution. Un exemple caractéristique. Dans la vallée du Niger, où je suis allé faire des études ethnographiques, on m'a montré des verrous particuliers avec des clés. On glisse une pièce de bois d'où sortent 2 petites pointes comme ça dans une fente, et arrivé au fond de la fente, on soulève 2 autres pointes identiques qui verrouillaient la porte. Une fois qu'on les a soulevées, on libère le verrou et on ouvre la porte. Bon. Or, il se trouve qu'on trouve ces verrous dans tout le monde méditerranéen de l'Antiquité. Alors, les africanocentristes disent, vous voyez bien, que ce verrou est une invention africaine qui a essaimé, qui est partie dans la vallée du Nil, qui s'est répandue dans le monde méditerranéen. Ça veut dire que cette technique élaborée, savante, est une invention africaine, d'où invention de la civilisation et des techniques en Afrique. À aucun moment, ils n'imaginent que, après tout, le verrou a peut-être pu suivre la voie inverse, descendre vers l'Afrique. Et puis, troisième version, la plus évidente, un problème identique, l'homo sapiens a trouvé la même réponse. C'est pourquoi ces serrures existent dans différents coins du globe, à différentes époques, sans aucune relation. De même qu'on trouve les toits des édifices avec 2 pentes pour que l'eau de pluie s'écoule très rapidement et qu'on peut creuser un petit fossé en bas pour que l'eau pénètre vite dans le sol. Enfin, la roue. Est-ce qu'il y a eu un représentant de commerce qui a fait le tour de la planète avec la roue en disant « je vous vends une roue ». Après ça, vous en mettez 2 avec un bâton en travers, vous mettez une charrette dessus, c'est magnifique, c'est beaucoup mieux que le traîneau. Ben non, la roue a été inventée à différents endroits, à différentes époques, sans aucun contact. Continuons, l'arc et les flèches, etc. Vous voyez, des choses extrêmement ingénieuses n'ont pas eu un inventeur avec son représentant de commerce. C'est là où on peut dire qu'il y a relation entre l'Amérique précolombienne et l'Égypte, parce qu'ils ont été confrontés au même problème. Par exemple, 2 pays où il y a des risques sismiques, le monde égéen, le monde méditerranéen et la vallée du Nil, où il y a un risque sismique, et la région andine. Or, qu'est-ce qu'on trouve? Les Égyptiens inventent un procédé pour que toutes les pierres d'une assise, dès l'Ancien Empire, je précise, dès l'Ancien Empire, soient reliées par des crampons en profil en double queue d'aronde pour que les joints ne s'ouvrent plus en cas de tremblement de terre. Vous allez à Tiahuanaco, au Salasasaya, grand temple construit à l'époque carolingienne, aux alentours de l'an 800. Vous apercevez que les pierres sont liées par les mêmes types de crampons en double T, exactement comme dans le monde grec ou dans le monde égyptien. Immédiatement, on dit, donc ce sont des Grecs qui sont venus dans l'Amérique andine, qui sont à l'origine de la civilisation incaïque. Ben non, ce sont des homo sapiens. En ce sens, oui, ce sont les mêmes bonhommes qui, confrontés aux mêmes problèmes, ont trouvé la même solution, sans avoir la moindre relation, puisqu'ils sont séparés par des milliers de kilomètres et par des milliers d'années, naturellement. Tout ça, il faut prendre le temps de l'expliquer. Et il est vrai qu'il y a de grosses lacunes dans l'enseignement de l'histoire. En France, on apprend l'histoire de l'Antiquité 1 année dans sa vie, en classe de 6e. La première année du collège, on a droit à Égypte, Mésopotamie, Grèce et Rome. Et c'est tout jusqu'à la fin de sa vie. Alors qu'ailleurs, en Chine, on apprend l'histoire de la Chine à partir de la première année du collège. Mais on n'apprend absolument pas ce qui s'est passé dans le monde égéen dans l'Antiquité. Donc, et partout, ce sont des homo sapiens. Donc, ils ont fabriqué leur même culture. C'est pourquoi il y a des lacunes formidables partout, à toutes les époques. Et nous sommes là, en principe, pour essayer de les combler. Nous sommes les archéologues. Moi, je ne suis pas un historien. Je m'abreuve à l'ouvrage des historiens. Nous sommes des techniciens qui fournissons le matériau avec lequel l'historien va combler les créneaux. Alors, on a des notions d'histoire, mais on dit à un historien, voilà, nous vous citions le créneau chronologique d'usage de cet objet, essayez de le placer dans l'histoire. Et l'historien, lui, va faire la relation, il va combler un créneau, il va avoir une histoire continue. C'est ainsi qu'on travaille. Thor Heyerdahl, effectivement, c'est un homme sérieux d'ailleurs, c'était pas un farceur quoi. Son utopie était maîtrisée, il cherchait une solution humaine en disant mais les navigateurs de l'Antiquité, quelle que soit l'époque, étaient capables de faire des parcours beaucoup plus considérables qu'on ne l'imagine. Alors, on sait effectivement, il a fallu, à l'époque préhistorique, peupler l'Australie, quand même. C'était loin. Alors, il y a presque les archipels du sud-est asiatique où on passe Indonésie, Malaisie, etc., Java. C'est des bons, c'est des petits bons, mais on ne voit pas d'une rive à l'autre. C'est quand même assez éloigné. On ne sait pas qu'il y a une île, effectivement, qui est à deux journées de navigation seulement. Donc, on y est arrivé. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des navigations très aventureuses. Ce qu'on ne mesure pas, et on ne mesurera jamais, c'est combien sont arrivés, combien ont survécu, qui sont partis au cours de ces navigations. On a déjà l'interrogation de la migration de la diaspora des populations grecques du 7e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque dans le Péloponnèse, terre extrêmement ingrate, la population devenait trop abondante, les notables de la ville se réunissaient et ont tiré au sort un certain nombre de familles. On dit, ben voilà, on ne peut pas nourrir plus de 2000 personnes. Donc nous sommes 3500, 1500 personnes doivent partir et s'installer ailleurs, fonder une nouvelle cité. Donc on envoyait des navigateurs en reconnaissance, ils faisaient du repérage sur les côtes, ils trouvaient un endroit, il y avait des occupants où il n'y en avait pas, on nouait des relations cordiales, on choisissait le point et puis la migration s'opérait. Donc il y a longtemps que déjà des masses de population quittent leur pays d'origine pour franchir de grandes distances. Les Grecs sont quand même allés très loin, ils sont allés sur les côtes syriennes, sur les côtes d'Afrique du Nord, les côtes du Maghreb ont été occupées par les Grecs, ils sont allés jusqu'en Espagne, etc. Ils ont fait le tour de l'Espagne, ils sont allés dans l'océan Atlantique, bref. Alors, le Pacifique est plus angoissant, parce que c'est une immensité fabuleuse. Or, avant de parler des expériences de Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl avait une idée dans un sens. Il pensait qu'il y avait forcément des rapprochements. C'était un peu simplet au départ. Il parlait, je ne sais pas si c'est lui qui parle de la patate douce, par exemple. Je me souviens plus, parce que Edith, à l'époque, moi j'avais des boutons, tu vois. Et, il faisait des rapprochements dans la nourriture, dans la morphologie, peut-être même dans la religion ou la fabrication d'idoles de pierre ou de bois. Enfin, il avait des éléments qui disaient, mais c'est évident, la culture de l'Amérique précolombienne se retrouve en Océanie. Alors il a dit, mais comment peut-on se rendre de l'Amérique du Sud en Océanie? Ah, mais justement, il y a un bois formidable, le balsa, qui est extrêmement léger, avec lesquels on peut faire des radeaux de très grandes dimensions, et qui naviguent évidemment à la voile, et puis on se laissait porter par les vents en espérant arriver un jour quelque part sur une île qui se trouve sur l'itinéraire par hasard. Alors en admettant cette supposition, qui n'est pas une idée plus sotte qu'une autre, il allait en fait, on le sait, dans la mauvaise direction, puisque le peuplement de l'Amérique ne s'est pas fait de l'Amérique vers l'Océanie, mais c'est les populations du continent asiatique qui sont passées par le nord pour arriver d'abord en Amérique du Nord, Amérique centrale, puis Amérique du Sud. Mais il n'y avait pas de certitude au moment où il faisait ses recherches, et il s'est lancé à l'aventure avec des jeunes gens et des jeunes filles qui étaient enthousiastes. Et bon, ils ont mangé les produits de leur pêche pendant un certain nombre de jours. Et puis, comme il est arrivé quelque part dans l'océan Pacifique, alors sur l'itinéraire, il y avait l'île de Pâques, parce qu'il fallait aussi qu'il y ait cet itinéraire, cette étape, qui était une étape indispensable. Avant d'arriver en Océanie, les gens se sont arrêtés à l'île de Pâques, puis ont repris leur navigation pour aller vers l'Océanie. Or, on sait maintenant que le peuplement s'est fait différemment. Il est venu du sud-est asiatique, il a suivi donc les différentes péninsules du sud-est asiatique pour arriver, en passant par Java, Sumatra, etc., arriver en Australie, puis de l'Australie, effectivement, il y a eu des départs aussi en direction de l'archipel japonais, et puis rencontrant ceux qui venaient du nord, et puis en direction de l'est, et miraculeusement, certains sont arrivés à l'île de Pâques. Alors, ce que l'on ne sait pas, encore une fois, c'est le taux de réussite de ces navigations. Il y a eu évidemment un nombre considérable de navires, d'esquifs, partis à l'aventure, qui ne sont jamais arrivés nulle part. Et puis le fait est que, de même que sur un simple tronc d'arbre, un couple de chats se trouve à la suite d'une tempête, il était sur un tronc d'arbre qui est emporté par un raz-de-marée quelconque ou une grande marée, il navigue et il part dans une île lointaine et il va peupler de chats cette île lointaine. C'est le hasard qui fait que ce couple de chats est arrivé à bon port. Et brusquement, il y a eu une population de chats qui s'est mise à croître et s'est multipliée dans un endroit complètement isolé. C'est le même phénomène pour les hommes, parce que leur navigation n'était pas guidée par un objectif précis, même s'ils connaissaient, s'ils avaient remarqué qu'il y avait des étoiles en position fixe, ils naviguaient avec le vent. Et ils ne savaient pas remonter le vent, leur navire ne savait pas remonter au vent, donc on suivait le vent qui vous emmenait là où il voulait bien vous emmener. Donc c'est un hasard absolu s'il y a eu cette population au cours de dizaines de milliers d'années, bien entendu, des différentes terres, des archipels d'Océanie, du milieu de l'océan Pacifique, et le miracle, population qui arrive, population d'origine tahitienne, si vous voulez, qui arrive, Polynésie, Micronésie, qui arrive à l'île de Pâques. Là aussi, il y a eu un miracle, évidemment, sur des centaines, peut-être des milliers de navires partis à l'aventure. Certains sont arrivés à l'île de Pâques. Bon, c'est comme ça, il faut croire au hasard prodigieux qui fait que les déambulations humaines aboutissent quelque part. Mais on pourrait en dire autant des déambulations terrestres. Ceux qui partaient à l'aventure en direction des régions nord-orientales du continent européen, c'est-à-dire la Russie, qui arrivent en Sibérie, ne sont peut-être pas tous arrivés à bon port non plus, évidemment. De même, ceux qui ont traversé Béring et qui sont installés d'abord en Alaska, puis au Canada, puis dans ce qui va devenir les États-Unis, combien sont arrivés à bon port, combien ont franchi le détroit entre les deux Amériques, combien sont arrivés en Amérique du Sud. À ce moment-là, on pense qu'il faut attendre qu'il y ait eu déjà une population sédentaire qui, par étapes successives, occupe le nord, le centre, puis le sud de l'Amérique. On en est réduit pour l'instant au schéma possible, en disant la rapidité de progression d'une population peut se mesurer peut-être à l'existence de techniques identiques. Mais là encore, on sait combien c'est fragile, puisqu'on peut découvrir les mêmes techniques à différents endroits, en différents lieux et en différents moments de l'histoire, sans qu'il y ait de relation. Mais ce sont tout de même des indices possibles, effectivement. Que ce soit une recette de cuisine, la façon de s'habiller, la façon de coudre des vêtements, les armes de chasse, les techniques de chasse, peuvent effectivement perdurer, se transmettre, et on peut jalonner un peu des étapes de progression de la population. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, pour les populations de la Micronésie, des du Pacifique, de l'île de Pâques, naturellement. Et de toute façon, il faut oublier Thor Heyerdahl, puisque cet homme courageux s'était trompé de direction. Et qui plus est, il avait choisi le balsa, qui n'est pas un bois idéal, parce que c'est un bois spongieux, qui a fini par se gonfler d'eau, et son radeau, en réalité, il était littéralement submergé. Lorsqu'on les a retrouvés, l'eau était au-dessus du niveau du pont. Il flottait encore, parce qu'une fois immergé, il gardait une densité supérieure à la densité de l'eau, donc il flottait, inférieure, pardon, donc il flottait, mais ce n'était pas une bonne idée. Donc, l'idée du radeau de balsa pour faire communiquer un continent avec une île perdue n'était pas bonne. C'est dans l'autre sens qu'il faut envisager la déambulation, le transport, le transfert des populations. Voilà. Alors là, ça repose sur ce vieux cliché qui veut absolument que la civilisation soit née dans le monde méditerranéen, parce que nous sommes fascinés, à juste titre, par la Mésopotamie et par l'Égypte. Donc, ce sont forcément des gens habitués à la navigation, qui connaissent la charpente navale, qui savent fabriquer des navires, qui sont allés coloniser, traverser la Méditerranée, franchir le détroit de Gibraltar, traverser, se lancer dans l'Atlantique à tout hasard et découvrir l'Amérique. C'est difficile à admettre. Et surtout que jusqu'à présent, pas le moindre argument ne permet de conforter cette idée que les Égyptiens sont allés en Amérique latine ou même en Amérique tout court. Parce que le suivi ethnographique ou ethnologique, si vous voulez, montre bien que ce sont des populations asiatiques du nord au sud du continent américain. On n'y retrouve pas du tout ce qu'on appelle le type berbère. Le type berbère, c'est les Égyptiens. Les Égyptiens de la vallée du Nil, du Maghreb et de la côte syrienne, c'est pour les préhistoriens ou les ethnologues ce qu'on appelle le type berbère. Donc on les reconnaît en reconnaissant un faciès de squelette extrêmement caractéristique qu'on n'a jamais retrouvé en Amérique. C'est toujours le type asiatique qui lui aussi a des caractéristiques que je ne vous décrirai pas parce que je ne suis pas anthropologue, mais allez au musée de l'homme, vous aurez toutes les informations nécessaires dans ce domaine. Alors, il y a effectivement un texte antique très célèbre, de très grande valeur historique, qui est le récit de l'Atlantide par Platon. Deux récits successifs d'ailleurs, qui sont présentés sous la forme de dialogues, comme quoi il aurait reçu des informations des prêtres égyptiens qui avaient consulté les archives, qu'il existait autrefois un royaume extrêmement puissant au-delà des colonnes d'Hercule, qui s'appelait l'Atlantide, et qui avait voulu conquérir le monde connu de l'époque, et seul un peuple avait résisté à cette conquête, le peuple d'Athènes. Donc on comprend tout de suite, enfin, ses contemporains en tout cas n'ont jamais été dupes bien évidemment, qu'il s'agissait d'un hommage triomphal à la ville d'Athènes, sa cité natale. Donc ça n'a jamais jeté le trouble dans l'Antiquité, personne n'a jamais cru un seul instant qu'il avait pu exister ce continent. On savait très bien que c'était une légende faite pour inondé de gloire, auréolé complètement la ville d'Athènes, sa ville natale, et pour rappeler que seul face à un empire immense et surpuissant, l'empire perse, Athènes seule avait résisté et vaincu l'empire perse, qui était reparti chez lui déconfit. Donc l'image était immédiate. Enfin, pour les Grecs, il n'y avait pas le moindre trouble possible. C'est l'époque moderne qui a voulu à tout prix croire qu'il y avait une réalité et que Platon, qui avait très habilement, comme le fait tout historien historique aujourd'hui, tout auteur de romans historiques, pardon, cherche une bonne documentation, puisqu'on sait que la crédibilité d'une fiction tient beaucoup à la qualité de la documentation. C'est surtout vrai pour l'historien de romans historiques. On évoquait Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, évidemment, était un grand érudit qui s'était fort bien renseigné avant d'écrire, de créer ses personnages. Malgré tout, il savait qui était d'Artagnan, qui était un capitaine de mousquetaires de Louis XIV et non pas de Louis XIII. Autrement dit, au moment du siège de La Rochelle, quand il est tué, il existait, il avait 6 ans. Donc, il avait déplacé le personnage pour servir son roman. Donc, c'est une très grande habileté, il prend des personnages de l'histoire, mais il les fait parler, il les anime, il les fait se rencontrer, il bâtit une fiction prodigieusement séduisante. Ben, Platon faisait exactement la même chose. Tout le monde savait que la civilisation égyptienne avait existé, donc lorsqu'il cite les prêtres égyptiens, qu'il cite Solon, juriste grec, qui l'avait précédé au VIe siècle, eh bien ce sont des personnages qui existent réellement, puis avec eux, ils fabriquent la légende de l'Atlantide, parce qu'au-delà des colonnes d'Hercule, c'est le grand océan, personne ne sait ce qui se passe. Donc il avait très bien situé aussi, à la fois historiquement et géographiquement, son état absolument légendaire. Et le trouble est arrivé à l'époque moderne. L'époque moderne, je veux dire qu'on s'est mis à croire que Platon, parce qu'on n'a pas compris le phénomène littéraire extrêmement savant, extrêmement subtil de Platon, qui honorait la cité d'Athènes, bien entendu, et rien d'autre. Dans son combat contre le gigantesque et invincible empire perse, Athènes avait tenu tête, dans l'Antiquité très lointaine, 10 000 ans avant eux, à un gigantesque empire qu'il appelle l'Atlantide et dont il imagine la ville sous la forme d'une cité idéale. Donc il glisse ses idées sur l'urbanisme dans la description de l'Atlantide. Mais quand il décrit l'armée et la marine de l'Atlantide, il décrit l'armée perse et la flotte perse, évidemment. Et alors là, évidemment, ça ne trompe personne, bien entendu. Enfin, ceux qui lisent le texte de Platon savent tout de suite de quoi il s'agit, parce qu'on reconnaît la description de l'Empire perse dans la description de l'Atlantide. Mais les faux érudits d'époque moderne trouvent le récit prodigieux et s'empressent de trouver l'Atlantide dans leur jardin, à la place d'Alésia, il y a une Atlantide en Norvège, il y a une Atlantide en Grande-Bretagne, il y en a partout. En fait, il y a un nombre formidable d'Atlantides, chacun a trouvé son Atlantide. On oublie les colonnes d'Hercule, on oublie le récit de la lutte contre les Perses. Et ça devient une source de roman, d'un très beau film des années 30 d'ailleurs, avec Antinéa. Alors ça, c'est une source littéraire qui est une fiction, donc c'est un très beau roman qui a tous les droits, qui a les droits de mettre l'Atlantide en Afrique du Nord, notamment dans le Sahara, bien entendu, la reine de l'Atlantide et la reine du Sahara. Et le Sahara s'est désertifié, mais autrefois c'était un pays prospère, remarquable. Et puis de films, bien entendu, et puis de propositions nouvelles d'une grande civilisation. Alors peut-être que cette fameuse race supérieure, peut-être venue de l'espace, qui a construit les pyramides à la fois en Amérique précolombienne et en Égypte, était localisée dans l'Atlantide. Alors il n'y en a plus aucune trace. La preuve, c'est qu'elle a disparu. D'ailleurs, Platon le dit lui-même, l'Atlantide est engloutie à la suite d'un séisme majeur dans les flots de l'Atlantique. Donc tout cela est très cohérent dans l'esprit de Platon, dans l'esprit de ses lecteurs contemporains, puis ça devient cohérent pour ceux qui s'imaginent que la fiction est une réalité, parce que le récit est tellement bien ficelé, décrit tellement minutieusement, que ça prend les allures d'une chronique et non pas d'un récit légendaire. À défaut de pouvoir instruire tout le monde, évidemment, c'est vrai qu'il y a une injustice dans le fait que tout le monde ne peut pas tout apprendre et tout savoir. Alors c'est un lieu commun de dire « moi-même je suis ignoré d'auteur de joie ». C'est bon, d'accord. Il y a donc toute une frange de population qui échappe à l'information sur un grand nombre de disciplines. Simplement, pour les rassurer, on peut leur dire que finalement, eux-mêmes auraient pu être des Égyptiens. Ils sont Homo sapiens, ils ont exactement la même structure, le même cerveau, la même configuration. Ils avaient les mêmes problèmes à résoudre. S'ils avaient les mêmes problèmes à résoudre, ils trouveraient les mêmes solutions. Ce n'est pas la peine d'avoir recours à la magie. On est un peu trompé par les moments limites où les textes anciens utilisent à la fois la mythologie et les réalisations humaines. On l'a évoqué à plusieurs reprises à propos des recherches en astronomie. Le calendrier est aussi rattaché à un phénomène divin, bien entendu, une intervention divine. C'est vrai pour les marées, c'est vrai pour les orages, bien entendu. Tout phénomène naturel de quelque ampleur doit recevoir une explication. Alors la seule explication qu'on peut offrir aux gens, c'est dire mais, il y a un dieu de la foudre. Ben, c'est tout ce qu'on peut dire, jusqu'au moment où on découvre évidemment que c'est un phénomène électrique, d'électricité statique, etc. Donc jusqu'à ce moment-là, quand on n'a pas d'explication à fournir, on se résout à ça. Un phénomène réel qui existe réellement, la foudre, en fait il est magique ou d'origine divine. Bon, alors on mélange là effectivement une réalité matérielle extrêmement perceptible, que tout le monde voit, c'est pas faux, ça existe, mais l'intervention est divine. Alors, on peut dire aux gens, mais rassurez-vous, les Égyptiens étaient exactement comme nous. Autrement dit, vous pourriez être placé dans la même situation qu'eux-mêmes, vous auriez à résoudre le même problème, vous auriez trouvé la même solution. Ce n'est pas la peine de rechercher des procédés magiques ou l'intervention d'une race supérieure qui aurait formé des érudits qui eux-mêmes détiendraient les secrets de l'art de bâtir, par exemple, ou de l'art de voyager dans le temps ou dans l'espace. Voilà, il faut ramener ça à des choses matérielles qui semblent peu poétiques, mais au contraire, on est en droit de s'émerveiller, de savoir que ce sont des gens comme vous, qui ont construit les grandes pyramides, qui ont construit les temples d'Angkor, qui ont construit les temples de Teotihuacan, et qu'ils n'avaient aucun pouvoir particulier puisqu'ils ne bénéficiaient pas d'une technologie avec une énergie artificielle. L'énergie artificielle n'existait pas. C'était l'intelligence, le bon sens et l'effort, bien entendu, et le souci, évidemment, d'accomplir une tâche grandiose au service de quelqu'un, de quelque chose, d'une divinité. C'est ainsi que l'art, dans le monde égyptien, n'existe pas en tant que rubrique anecdotique. L'art est quelque chose qui est toujours au service du dieu, du roi ou des morts. Donc on ne peut pas acheter un objet d'art, ça n'existe pas dans le monde égyptien. Ceux qui vont brusquement balayer cette superstition, cette crainte superstition vis-à-vis de l'art, et pourtant l'art existe évidemment, mais il sert quelque chose de très précis. Les Grecs, les premiers dans l'histoire de l'humanité, vont dire bien non, l'art c'est un bien souverain qui appartient à tous. Vous avez envie d'une sculpture, vous allez chez le sculpteur, vous commandez votre sculpture et vous avez une sculpture de votre choix chez vous. C'est un phénomène social, intellectuel, prodigieux. C'est l'une des plus grandes interventions intellectuelles du monde grec. C'est l'art pour tous. D'une existence intelligente quelque part dans l'espace, elle était très ancienne. D'abord, le monde des dieux, c'est ça. Le monde des dieux vit quelque part dans le firmament. Donc il y a des êtres insaisissables qui se manifestent à travers des phénomènes naturels, qui vivent quelque part. On ne les voit pas. Quelquefois, ils viennent sur Terre, mais c'est très difficile de les distinguer. Et est-ce que des êtres, par contre, qui ne sont pas des dieux, peuvent aussi exister ailleurs que sur notre planète? Autrement dit, qu'il y a d'autres planètes qui portent des habitants. Alors, il y a Cyrano, qui, au XVIIe siècle, imagine le premier le voyage dans la Lune. Bon, Cyrano de Bergerac. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il va sur la Lune, et alors là, il dit, s'il va sur la Lune, c'est que porté par la rosée du matin. La rosée s'évapore, il se couvre de rosée et il s'envole. Il va vers la Lune. Alors, il y a des habitants sur la Lune, puisque c'est une boule, on distingue, parce que les instruments d'optique existent au XVIIe siècle, avec une lunette de Galilée, on croit voir des continents et des mers. Donc, il y a des habitants sur la Lune. Donc déjà, l'idée se fait, elle cesse d'être magique, anormale, fantastique. Il y a aussi des êtres intelligents, qui peuvent être des êtres humains, pourquoi pas, qui habitent ailleurs dans l'espace. Et puis évidemment, ça se précise avec les progrès de l'astronomie. Et puis on imagine ensuite le phénomène inverse, mais alors s'il y a des êtres intelligents quelque part dans l'espace, ils ont pu venir aussi sur la Terre. Alors on n'en trouve strictement aucune trace. Ah ben non, on n'en trouve aucune trace parce qu'ils sont venus il y a très très longtemps. Ils sont venus il y a tellement longtemps que tout ce qu'ils ont réalisé a disparu. Mais quand même, ils ont eu le temps de contaminer la Terre. Alors peut-être que nous descendons de ces habitants de l'espace. Alors c'est un premier cheminement, ça. Et puis ensuite, ces êtres, ils ont tout de même, ils ont eu des descendants. Ces descendants ont formé une sorte de caste, naturellement. On ne peut pas dire de club, parce que c'est trop restreint, ou de secte. Et alors, il y a des érudits qui sont au courant de ce savoir formidable qui avait été apporté par ces êtres venus de l'espace, mais ils ne peuvent pas tout dévoiler, ou on le dévoile petit à petit. Petit à petit, ils vont dévoiler des fragments d'informations. Alors, on découvre à travers des réalisations de l'Antiquité que de temps en temps, il y a eu des fuites et certains d'entre eux ont réalisé des choses absolument grandioses. Et effectivement, les pyramides, qui n'ont pas de fonction particulière, bon, ce n'est pas des tombeaux, on le sait très très bien, c'est quand même des traces, c'est un signal de quelque chose. Ça avait une fonction, on ne la trouvera jamais cette fonction, hein, mais on peut l'imaginer, des balises, des repères pour des futurs atterrissages des êtres venus de l'espace. Alors, il y a une foule de possibilités dans lesquelles on part dans toutes les directions et on ne tient plus absolument aucun compte alors du progrès de l'évolution, du système de l'évolution qui conduit de la vie primitive à la civilisation, des influences, du diffusionnisme possible, ou au contraire des anéantissements à la suite de rencontres guerrières ou d'épidémies. Bref, l'histoire de l'humanité et brusquement complètement balayés, les remplacer par cette présence insidieuse dans l'ombre d'une race supérieure venue de l'espace. Et ça fait son chemin, parce que, par définition, ces personnages ne veulent pas se faire connaître, ne peuvent pas connaître, sauf certains qui ont le petit doigt raide, ils ne peuvent pas plier le petit doigt. Vous avez connu ça, David Vincent, les extraterrestres qui étaient parmi nous, le seul moyen de les détecter, c'est qu'ils ne pouvaient pas plier le petit doigt. C'est un clin d'œil tout de même fabuleux, ça, je trouve. Enfin voilà, on en est là. Alors, le mythe court, il court toujours, puis ça remplace un peu la religion. La religion, elle part un petit peu en quenouille, en ce moment ça ne marche plus très fort, enfin ça dépend lesquels, bien entendu. Et alors les extraterrestres, c'est un succès d'année. Ils viennent d'ailleurs, ils ont un savoir formidable, donc c'est presque des dieux. Puis en plus, c'est peut-être eux qui ont engendré les religions. C'est les véberismes, etc. Alors on pourrait parler trop longtemps sur le sujet, mais d'une manière tellement floue que je ne le développerai pas. Lorsque la question qui revient en permanence, évidemment, c'est le transport des énormes pierres, aussi bien pour les voûtes, les poutres de granit de la chambre du roi que les obélisques égyptiens, évidemment, qui sont des pierres colossales, des monolithes. Alors, on sait que pour les Égyptiens, ces problèmes ont commencé très tôt et qu'ils ont trouvé très tôt les solutions. Le phénomène de l'attraction sur des traîneaux, en éliminant le frottement avec le sol, avec des rouleaux, des chaussées argileuses. Bon. Donc, pour l'Égypte, on n'a pas d'hésitation. On sait exactement comment ils procédaient, parce qu'ils l'ont dessiné, ils l'ont représenté. On le voit ces traces. Ils les mentionnent, ils les décrivent. Et puis, ça fascine toujours, et la solution est, pour l'Égypte, toujours plus simple que ce que l'on croit, mais parlons par exemple de Baalbek. Vous avez mentionné Baalbek, où on a des pierres, les pierres du Trilithon, qui sont plus lourdes encore que les obélisques égyptiens, parce qu'elles ont un peu plus de 800 tonnes. Chacune des trois pierres du podium qui ont été mises en place, parce que les autres sont restées à la carrière, elles sont plus lourdes, d'ailleurs, non sans raison, c'est pour cette raison qu'on les a laissées dans la carrière. Ces pierres qui font entre 850 et qui approchent les 1000 tonnes sont un peu plus lourdes que les obélisques égyptiennes. Or là, nous sommes à une époque qui est la fin de l'époque hellénistique, début de l'époque romaine, hein, parce que le temple a peut-être été commencé à l'époque de la Grèce hellénistique, dirigée par un diadoque encore, au moment de la conquête romaine, et le grand temple de Baalbek, on a un graffito de l'époque de Néron, hein, qui est gravé sur un chapiteau. Donc on sait qu'à l'époque de Néron, on achevait la construction du grand temple de Zeus à Baalbek. Donc ça nous situe la construction de ce grand sanctuaire. Et là, les Grecs, comme les Romains, avaient donc des machines extrêmement puissantes. Non seulement ils connaissaient la poulie, mais ils savaient combiner les poulies pour monter ce qu'on appelle des palans, en multipliant le nombre de poulies, on multipliait d'une unité chaque fois la puissance de la machine, que l'on couplait les palans avec des treuils dont la longueur des bras d'enroulement, le treuil c'était le cabestan de marine, vous voyez, avec un axe vertical, un treuil à axe vertical, le câble de traction s'enroule autour du câble vertical, et puis des personnages font tourner les bras de levier qui le mettent en action, machine d'autant plus puissante que le bras de levier est plus long, à un diamètre plus fort ou un rayon plus fort que le rayon d'enroulement du cylindre. Pour transporter les pierres du Trilithon, qui n'ont jamais été, là non plus, levés. On avait construit une chaussée en pente légère qui va de la carrière, qui est à environ un petit kilomètre, pas tout à fait, un peu plus de 800 mètres du chantier de construction, avec une légère déclivité. Donc on avait une chaussée en légère déclivité, et on a conduit cette chaussée de façon à ce que chacune des rangées de pierres ait une hauteur de chaussée correspondante. Quand on changeait d'assise, on montait la chaussée d'autant, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au couronnement du podium. Donc, c'est un travail de longue durée, mais d'une extrême simplicité. Et là, nous avons un arsenal de machines extrêmement puissantes, décrites par l'architecte romain Vitruve, qui nous décrit très fidèlement ces machines de levage et de traction. C'est une combinaison de palans et de treuils qui était utilisée à Baalbek. Autrement dit, vous aviez des palans dont les cordes étaient reliées à des treuils à axe vertical, manœuvrés par des bras de traction horizontaux. Et il suffisait pour les plus lourdes pierres, celles qui sont entre 800 et 1000 tonnes, de 500 hommes au total, ce qui est un chiffre assez dérisoire. Pour un très grand chantier comme celui du temple de Zeus, les 500 ouvriers étaient là de toute façon tous les jours. Avec 500 hommes, vous transportiez complètement ces pierres, vous les mettiez en place et vous les serriez à joint, sans difficulté. Ça veut dire que là, on a résolu l'un des problèmes les plus intrigants de toute l'histoire de l'architecture, les plus grosses pierres mises en place. Elles n'ont donc jamais été levées, elles ont cheminé sur une chaussée dont le niveau s'élevait avec la pose des assises successives. Exit toutes les légendes qui peuvent courir, d'autant que par la suite, on a renouvelé ces opérations. Or, lorsque, effectivement, on a eu plus tard à déplacer, par exemple, lorsque l'Égypte a offert à la France l'un des obélisques, offert d'ailleurs les deux obélisques de Louxor, mais la France n'en a pris qu'un seul, estimant que c'était déjà pas mal et que c'était une drôle de galère de les transporter. Ça a été très long. On a fait appel à un ingénieur français spécialiste des grands chantiers, Lebas, et puis Vernicac de Saint-Maur, qui est officier de marine. Ils ont utilisé les matelots, les palans, les treuils utilisés dans la marine, exactement comme on l'avait fait à Baalbek. Seulement voilà, c'était la première fois qu'ils réalisaient cette opération. Et là, il fallait descendre l'obélisque sans le briser, le transporter, l'amener par la mer jusqu'à l'embouchure de la Seine, remonter la Seine, arriver place de la Concorde et le remonter verticalement à son emplacement. C'était la première fois qu'on faisait ce travail et on avait très peur évidemment d'être inférieur à la technique égyptienne. Or les Égyptiens, eux, je ne dirais pas ils faisaient ça tous les jours, mais le transport des charges lourdes et le dressage des obélisques faisaient partie des tâches à laquelle ils étaient parfaitement habitués, et même les Romains, car aujourd'hui pour voir des obélisques, il ne faut pas aller en Égypte, il faut aller à Rome. C'est à Rome qu'il y a le plus grand nombre d'obélisques. Les Romains les ont abattus sur place, fait descendre le Nil, traversé la Méditerranée, remonté le Tibre et remonté dans les différentes places publiques de la ville de Rome. Ça veut dire que les Romains, eux, maîtrisaient alors avec aisance tous ces problèmes. On a même, si vous allez visiter le musée du Vatican, dans la grande bibliothèque, la grande salle de la bibliothèque des cartes au Vatican, vous avez une peinture qui représente l'architecte Dominique Fontana qui est en train de mettre en place l'obélisque qui va être remonté sur la place Saint-Pierre. Donc, tous ces pseudo-mystères n'existent plus, c'est fini, c'est un problème qui est évacué, et dans tous les manuels, on a maintenant des solutions très claires, mais c'est différent des solutions égyptiennes, puis nous sommes à l'époque de l'ère des machines savantes, dont nos machines contemporaines sont les héritières. Simplement, l'énergie a changé. Ce n'est plus l'énergie humaine ou l'énergie animale, c'est un moteur électrique, un moteur à vapeur au début du siècle, aujourd'hui un moteur électrique ou un moteur à essence. Mais la technique remonte effectivement pour ces machines très savantes à l'époque romaine. À la fin de mes cours, chaque année, je fais comme ça une petite conclusion amusante, un peu prime sautière, en leur rappelant que eux sont informés, mais qu'ils peuvent en parler autour d'eux. Ils peuvent inciter leurs amis, leurs proches à faire des voyages. Et ils sont en mesure, eux, de leur expliquer, sommairement même, pourquoi il n'y a pas de mystère dans la construction de Borobudur, de Tiahuanaco ou des pyramides d'Égypte. Et que, au contraire, ils peuvent être assez fiers d'être eux-mêmes du genre Homo sapiens, puisque ce sont les semblables à eux qui ont accompli ces tâches formidables. Mais que, vivant à l'époque de l'énergie artificielle, ils ne savent plus quel est le prix de l'effort. Effort intellectuel pour imaginer un déplacement d'une charge extrêmement lourde avec un minimum d'effort pour ceux qui vont l'accomplir, et puisqu'il suffit de commander la machine en appuyant sur un bouton. Et le meilleur exemple que l'on puisse donner, c'est la différence entre une locomotive à vapeur et une locomotive électrique. Lorsque j'étais petit, que j'avais des boutons et pas encore de la barbe, il y avait encore des locomotives à vapeur, et notamment les 141P qui allaient le rapide de Paris-Strasbourg, et on voyait partir la locomotive à vapeur. Alors quand une locomotive à vapeur partait avec des roues de 2 mètres de diamètre, le mécanicien a un geste, il abaisse une manette et puis on voit de la vapeur qui sort d'un piston qui est à l'avant de la machine. Et on comprend que cette vapeur, elle va faire sortir une tige, que le piston est poussé par la vapeur, cette tige elle est reliée aux 3 roues et qu'elle les fait tourner. Et puis il abaisse encore un levier, ça fait encore plus de bruit et on sent qu'il y a encore plus de pression. Et la machine accélère sa rotation et même quelquefois, ça arrivait très fréquemment, elle s'emballe. Et il y a 2-3 tours à vide, les roues patinent sur les rails. Et puis, elle reprend de la lenteur, on lâche du sable à l'avant, ensuite pour que les roues ne patinent plus en avançant. Et puis on voit, il y a des jets de vapeur successifs, ça fait un bruit saccadé, et les roues, lentement, prennent leur vitesse, et la vitesse s'accroît tout doucement, tout doucement, tout doucement, et on voit partir, on comprend la machine, on n'a pas besoin de l'éventrer, de la voir en radio, on comprend ce qui se passe. On voit le reflet du feu sur le visage du mécanicien et du chauffeur. Donc il y a un feu qui chauffe de l'eau. L'eau se transforme en vapeur. La vapeur arrive dans le cylindre. Et cette vapeur qui fait sauter le couvercle de la casserole à la maison, elle pousse le piston qui agit sur les roues. Et on comprend tout. Mais aujourd'hui, quand le TGV démarre, il y a le chef de gare qui fait trut, puis le TGV démarre. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, en silence, il démarre. Donc, on a perdu la notion de l'effort physique, de l'ingéniosité qui conduit à amoindrir cet effort physique et à l'économiser, et l'effet de puissance de la machine que l'on a imaginée. La machine du TGV est très puissante, mais on ne voit pas comment elle fonctionne. Avec la machine à vapeur, tout était clair, tout était perçu. Donc, essayez de réfléchir et, si vous en avez l'occasion, allez voir démarrer une machine à vapeur. Il est donc, pour résumer cette pensée profonde, totalement exclu de voir la main d'êtres supérieurs dans les grandes réalisations de l'humanité, qui sont dues à la seule humanité.